Salut les amis, ici Shadow avec Monsieur Killer, Nazmec et d'autres types dont on n'a pas envie d'entendre le pseudo qui font chier dans d'autres vidéos d'ailleurs. Okay. Je te déteste du plus profond de mon cœur, mais je te hais. Alors, tout de suite, déjà tout de suite, il a une tête de Borogva. Voilà, ça c'est fait, c'est mis hors du chemin. Non, les yeux sont pas dans l'autre sens avec les Borogva. De quoi? Non, ils sont dans ce sens. Ça dépend comment tu fais la tête. Certains Borogva ont le connecteur dans l'autre sens. Eux, ils ont la sphère pour raccrocher. Voilà, exactement. Ce qui est totalement débile d'ailleurs. Oui, je voulais dire donc, est-ce que ton mock a un nom tout de suite là comme ça? Oui, BK-grave. Gras? G-R-A-V. Comme gravité. Abréviation de gravity en fait, parce qu'il a des équipements dans ses jambes. Et c'est BK, c'est ça? BK. Ah, BK, les initiales. Ok, d'accord. Non mais faut que tu... Il a des équipements dans ses jambes qui modifie un peu la gravité, le calme. D'accord. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça qu'il a des grosses surmines dans les jambes. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, tout est justifié storylanesquement. Il a même un canon qui, je suis sûr, balance des ondes de gravité ou un truc comme ça. Genre, boum, et là, t'as tout le monde qui tombe. Occasionnellement. Quand on tombe qui vole, plutôt. Comme le Gravity Gun Half-Life. Oui, c'est genre les mecs qui sont touchés, ils meurent. Enfin, ils meurent pas, ils sont envoyés dans l'atmosphère. C'est plutôt cool, moi, je dis. Hein. C'est une manière comme une autre de mourir. C'est l'arme du futur, quoi. Bah, c'est une manière comme une autre de mourir, j'ai envie de dire. Une manière plutôt violente, d'ailleurs. Une fois que t'es mort, tu t'en fous de la manière. Hein. Ouais, mais si c'est, ça fait mal, quoi. Hein. Ouais, mais du point de vue du tueur, c'est pas gênant. Ah, mais oui, mais si c'est toi qui es tué, tu fais comment? Ouais, bon, attends, on va continuer parce que. Donc, le schéma de couleur, c'est du noir, du dark metal. Oui, c'est du Sonic. Argenté, jaune trans. Un petit peu de bleu pour les pièces d'interconnexion, à ce que je vois. Du gris aussi, sur quelques pièces. Et c'est à peu près tout, non? Oui, non, oui, il a un champ de couleur assez tricolore, j'ai envie de dire. C'est très métallesque, quoi, en fait. Hein. Métallesque. Oui, d'accord, métallesque. C'est couleur plutôt métallique. Et donc, je pense que c'est à peu près tout au niveau schéma de couleur. On peut retrouver quand même pas mal de pièces de Hero Factory Breakout, hein, entre le canon, les épaulettes, les pieds en dark metal qui sont apparus avec Evo cette année. Hein. Oui, en effet, oui. Les pics qui font totalement pas partie de Breakout. Hein. Oui, je vois ce que tu racontes, là, tu parles des pièces. Ouais, je parle des pièces utilisées. J'espère que tu as utilisé les réacteurs de la Furnobike, parce que sinon je t'en veux. La Furnobike est encore construite. Ah bah mince alors. Non, elle vient de l'Accelera. Oh non, pas lui. Des gens qui tombent, des gens qui apparaissent. Ouais, des gens cachés par le moque, ça. Il y a une censure moque, là, c'est génial. Ah merde, il est plus caché par le moque. Une porte s'ouvre et un personnage apparaît. Oui, voilà, et pas des plus beaux. Donc oui, ce nickel donc. C'est une review vidéo. C'est ton review vidéo et tu n'as rien à faire ici. Non, le moque. Bah, c'est un moque, fait avec des pièces de nickel. Et en factory. Hein? My own creation. Moque. Oh la ferme. Oh, voilà. T'en veux pas, c'est pas grave. Bah moi un peu quand même, j'en veux quoi. Mais bon bref, je tiens à dire quand même que l'assemblage du dos a l'air bien foutu avec le genre l'os, je sais pas si vous voyez, l'os Hero Factory. C'est un pied. L'os Hero Factory avec à l'intérieur un bolgeon qui permet de fixer l'armure Toanova, puis ensuite... C'est-à-dire qu'en fait t'as rien qui est laissé au hasard quoi. Tout est utilisé de manière plus ou moins efficace. Plus ou moins efficace, oui, j'ai envie de dire. Tout est utilisé, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a un tube qui passe à l'intérieur du corps, apparemment. Ouais. C'est du dark metal ou c'est du noir? Je suis un peu fatigué, là. C'est du dark metal, là? Ouais. Oui, c'est du dark metal. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Au niveau de l'arme, c'est vrai que là, on retrouve tout de suite la pièce unique de Onua Mystica, hein, qui est une bonne grosse méta-pièce, hein, voilà, des familles. Inutilisable, sérieusement, même moi j'ai cherché. Si j'ai fait un non mais on s'en fout de ce que t'as fait. Ouais. Voilà. Voilà. Et ouais, genre il a des yeux transparents jaunes aussi. Il est rentré chez lui, je pense. Qui ça? C'est pas sérieux là. Et bah c'est tout, non? T'as des choses à dire dessus? Ah, j'ai pas regardé les articulations. Peut-être retirer l'arme à ce moment-là. C'est ce que je fais, ouais. T'as pas remarqué? Oh là là, elles sont pas loose, c'est génial. Oh là là, il rentre trop mal comme ça, tout droit, avec un bâton dans les fesses. Mais quel pur bonheur.
et on voit plus rien du tout. C'est génial, merci la lumière. Alors, niveau articulation, on peut lever, baisser, rouler, enfin tourner. C'est génial. Rouler, c'est le meilleur mug du monde. Voilà, c'est ça ta gueule. 90 degrés au niveau du coude. Pas vraiment de limitation au niveau du poignet, si ce n'est la pointe. La tête peut bouger à deux emplacements, c'est génial. Donc vous pouvez lui faire faire... On l'a pas vraiment vu en caméra. Ok, d'accord. Ouais, un peu fatigué. On a aussi deux points de connexion au niveau du canon, ce qui semble assez logique en effet, vu la manière dont il est attaché. Au niveau des jambes, dis-moi que ça fait plus de 90 degrés. Bon là ça va. Ça a l'air mal barré. C'était mal barré. C'est 90 degrés. Voilà. 91, ouais, j'allais dire. Bon bah c'est pas trop mal à la limite, mais ouais la jambe entre ça et ça derrière. Enfin, j'aime bien le schéma de couleur. Après, est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre genre du gris ici et du dark metal ici pour faire la même chose que là? Je ne sais pas, mais pas j'aimerais bien le savoir. Pas spécialement. Tu penses? Je pense pas, ouais. Quoi que tu me diras, un peu trop redondant, l'avantage, c'est que quand tu fais ça, t'as tout l'argenté qui est situé au même niveau. Et t'as tout le dark metal qui est au-dessus et en dessous. Genre, tu vois, l'argenté, c'est prendre en sandwich par... Ouais, c'est chouette. Et je pense que c'est à peu près tout, non? Enfin, le chouette est assez moque, hein, j'ai envie de dire. Oui, oui, vas-y, c'est bizarre. Je suis pas sûr pour le canon, par contre, sur l'épaule. Ah, le canon c'est un peu la forme, mais après... En fait, j'en aurais vu deux, perso. J'en aurais vu un sur chaque côté, donc... Ah ouais, pourquoi pas, ça aurait été une bonne idée. Ça serait mauvais, mais... Bah, Snapdragon, quoi, j'ai envie de dire. Des canons partout. Bah voilà. Des canons, des canons. Genre, il soulève son pied, et en fait, sous sa semelle, il y a des canons. Voilà, c'est scientologie. Non, oui, plutôt pas mal. Après, ça, le schéma de couleur est pas vraiment le. Ah non, c'est pas ultra mais intéressant, mais bon, c'est vrai un que. Un mock sérieux, oui. Je t'avouerai que moi, le transjaune, j'en vois tellement peu qu'au final, ça fait toujours plaisir d'en voir. D'ailleurs, je me souviens jamais dans quel set il est, mais bon. La visorette noire. Oui, oh bah c'est bon, hein, prouvez-moi que je suis totalement. Débile. Pas débile, mais ignorant. En tout cas, là, déjà, tu vois, ce qui aurait pu faire parfait, c'est que tu puisses retirer cette partie-là et que tu puisses mettre ça dedans, quoi. Ce que tu peux totalement faire, oui. Donc genre comme ça, vous voyez, si vous n'êtes pas totalement... Ce qui n'est pas totalement beau et équilibré. Non, mais après, est-ce que mais je suis beau possible. Et équilibré, moi? Tiens, voilà, et maintenant, il a un railgun. Un railgun? Ouais, un railgun, fait avec une armure de toi, Nouva. D'accord, je te dis. Ah ouais, j'aime bien. Enfin, ça me fait penser à un blaster de... De Halo, oui. Là, l'espèce de gros truc violet là qui est des Covenant. Ah, oui. Mais je m'y connais pas donc. Non, donc non, voilà non, la place. Il y a une grosse. Une grosse. J'ai dit une grosse épée. Pas de grosse épée. Non, il n'y a pas de grosse épée, mais il a une grosse Gatling quoi. Et des yeux jaunes. Je pense que c'est ce que je retiendrai. Non, mais oui, c'est un bon mock. Oh non, je vais me sortir un peu. En effet. Donc, mais ouais, non, c'est cool et puis. Bon après, faudrait peut-être que t'arrêtes de faire des mocs avec des têtes de Borogva, mais bon, je t'en veux pas, c'est la facilité. J'en ai une vingtaine comme ça. Seulement, bon, ça va, t'as le temps d'en faire encore une quarantaine. Hein. Alors, c'est une série, tu me diras. Ah mais alors, c'est plus une série, là, c'est une armée, mon grand. Hein. Bah, moi, à 40 mocs, j'appelle plus ça une série. Hein. Enfin, un 20, mais c'est pareil. Bah, je pense que c'est à peu près tout, non? On va peut-être éviter de le laisser comme ça pour la pause finale. Faire, oh puis, bah attends, ouais, hey, tu me prends pour qui exactement? Pour un type qui est totalement bourré, bah t'aurais pas tort, mais... pas au moment où tu enregistres la vidéo, quand même. J'ai jamais bu de ma vie. Oh. Eh ben... J'aurais pas dû dire... J'aurais pas dû dire ça. T'as bu du Ricard. Ah, merde. J'ai bu... Enfin, de l'eau contenue dans du Ricard. Enfin, dans un truc... Du Ricardo, on a dit. Ah oui, du Ricardo. Par contre, là, les jambes, c'est... La grande pose bien bourrine. Par contre, s'il active son arme, sa main, elle va souffrir, quoi. Genre... Pfff, mon pouce. Oh, mon grand écart. Oh, 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 oh. Action feature, action feature. Il bouge tout seul, c'est magnifique. Il a même pas besoin de toi. Il fait tout seul. Voilà, le truc est tellement génial en fait qu'il a pas besoin de toi pour jouer quoi en fait. En fait, il a des moteurs dedans.
Le moteur s'appelle pas genre gravité ou un truc comme ça? Ah, possible. Ah, bah ça va avec son nom, c'est bien. Bah voilà, ouais. En fait, il, vois, il, voilà. Tout voilà. Est la boucle est bouclée, la boucle on peut est finir bouclée, la voilà. Sur une belle note, au moins, pour une fois. Un mi ou un do? Et donc, on va se quitter là-dessus. Voilà. C'est assez moche maintenant, mais voilà. C'est pas grave. Donc, bah, question, quant à allez-y, et puis bah, portez-vous bien. Allez, salut. Salut.